Hello, I'm Severin Suzuki, speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. I am here to speak for all generations to come. Hello, my name is Severin Cullis Suzuki. Today I am 29 years old, and I am speaking to you as someone who is expecting her first child. Losing the future is not like losing an election or a few points on the stock market. I'm here to speak for every generation to come. Quand je me bats pour les requins, en fait, je me bats pas que pour cette espèce-là. Je me bats pour toutes les espèces, y compris l'espèce humaine. Ils découpent l'aileron, ils prennent que ça et puis ils rejettent à la mer. Do not forget why you are attending these conferences. Who you're doing this for? We are your own children. You are deciding what kind of a world we are growing up in. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Ce qui me gêne et qui fait que je suis mal dans ma peau à 45 ans, c'est que, entre-temps, on n'a rien fait. La planète, elle a continué à se dégrader à cause de plein d'égoïsme de nous tous. Est-ce qu'aujourd'hui ça va changer? Je ne sais pas, mais il y a urgence, quoi. Il y a péril dans la demeure. Et c'est nous qui sommes coupables de tout ça. Et là, quand je l'écoute, je me sens très très mal dans ma peau. Parce que mes enfants ont l'âge de cette fille. Et elles pourraient avoir exactement le même discours aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on va leur laisser? If you don't know how to fix it, please stop breaking it. We must stop breaking it. Les gens qui vendent les produits qui traitent sont aussi les mêmes qui vendent les produits pharmaceutiques. Voilà, c'est les fabricants de médicaments. C'est les mêmes, mais c'est vrai que quand je suis arrivé à l'hôpital, ils sont aussi subventionnés par ça. Voilà, j'ai vu les mêmes firmes sur la boîte des médicaments. J'ai dit c'est pas vrai, ils m'ont empoisonné. Et puis aujourd'hui ils me soignent. Alors, j'en ai parlé avec les médecins, les infirmières m'ont dit bah oui, vous avez tout compris. Voilà. Mais bon, c'est. C'est pas toujours facile. Hein. Le Fujiyama, symbole du Japon, résiste comme il peut à la pollution. Comme le Canada et la France, le Japon est un pays emblématique de son continent. Ces trois pays ont élaboré une grande partie de leur économie en détruisant leurs richesses naturelles. Ils se doivent de changer radicalement. Ainsi, le nouveau Premier ministre, M. Hatoyama, a décidé de ne plus donner la primauté au béton, mais à l'homme. Je suis venu au Japon avant tout pour rencontrer un samouraï, que j'appelle samouraï de Severn, tout droit sorti des 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. C'est un protecteur de la biodiversité. Il s'appelle Takao Furuno et symbolise pour moi l'agriculteur de ce siècle. Il cultive l'aliment le plus consommé sur Terre, le riz, et ce, selon une méthode naturelle de plus de 3000 ans, qu'il a su adapter aujourd'hui de façon parfaitement productive. Some people talking about, oh, we must save Mother Nature, or we must save the Earth. I don't see it that way. I understand what they're saying, but the Earth's going to survive. And isn't that what everybody wants? Just to lead a happy, healthy life? That's what we're talking about. We're talking about quality of life, we're talking about health, and ultimately we're talking about our kids. So I see it as a much more self-centered conversation, and we're simply talking about how to save ourselves. Miserere nostri Domine. Après, il y a aussi d'autres pollutions qui malheureusement sont plus sournoises, plus rampantes, peut-être plus dangereuses, mais malheureusement qui sont présentes encore dans notre sous-sol,
En l'occurrence, le nuage de Tchernobyl qui est passé en Corse en avril 86 et qui a laissé beaucoup de traces ici. Il y a encore de nombreux cas de cancer qui se développent à l'heure actuelle, notamment chez des gosses, et qui sont dus à ce fameux nuage. The challenge of nuclear power and the challenge it poses for future generations, it's almost the ultimate in an intergenerational crime, really. À 3 km de Barjac, un domaine de 120 hectares, dominé par un bâtiment Cévenol, est à vendre. Édouard Chollet a décidé de se battre contre les spéculateurs afin d'y installer une agriculture respectueuse de la biodiversité. Suite à des réflexions, nous nous sommes dit il y a là une opportunité pour faire en sorte que ces 120 hectares aillent à l'agriculture bio. Le blé, le riz, le maïs et le soja font 60% de l'énergie alimentaire mondiale. Et ce n'est que 4 espèces, dont la moitié sont devenues presque majoritairement OGM aux États-Unis. Le soja et il y a aussi le maïs. Eh bien, on a 30 000 espèces comestibles connues sur la Terre. Ça veut dire que le plus grand crime à la biodiversité agricole qui va tuer les semences oubliées, les semences rustiques, etc., c'est de se concentrer sur 4 grandes monocultures. Et en cas de crise climatique qui fasse des troubles à ces monocultures, ben, on ne va plus avoir assez pour nourrir l'humanité. Et en plus, ça facilite les brevets sur le vivant. Tu te dis, mais où est-ce que ça va s'arrêter, quoi ? C'est surtout désespérant de se dire que parmi nos élites, et parmi des hommes et des femmes parfois très intelligents, il y a quand même des angles morts, il y a une espèce d'inertie culturelle crasse, quoi. Ce qui m'ennuie, c'est quand on ne change pas en fonction des nouveaux paramètres et des nouveaux facteurs. Qu'est-ce qui se passe sur la planète ? C'est qu'il y a une espèce de hold-up légalisé sur les biens qui devraient être considérés comme des biens inaliénables parce que des biens vitaux auxquels nous devons, nous, la vie et auxquels les générations futures devraient voir la vie. Alors ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une éthique dans la politique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éthique dans la politique, il n'y a que l'argent. You are what you do, not what you say. Well, what we have done makes me cry at night. You grown-ups say you love us. But I challenge you, please make your actions reflect those words.